Salut tout le monde, c'est Spida pour l'épisode 10 des Simpsons le jeu. Donc le niveau va s'appeler NeverQuest. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de voir la suite. Moi ça va super, je pense que je vais essayer d'enchaîner assez rapidement la suite désormais, histoire de... Ça fait quand même un moment que le let's play dure, je crois que ça va faire quasiment 2 mois, voire plus. Oh, Allez, quel joli niveau! c'est déjà J'aime joli, beaucoup ce putain. genre de thème. J'ai bien un thème moi aussi, puisqu'on s'est enfin débarrassé des gosses, on pourrait... C'est impossible, Homer! Tu vas gâcher la classification pour enfants du jeu! À l'aide! À l'aide, s'il vous plaît! Tes oreilles sont pointues! Viens, Homer! Il faut qu'on aille sauver ces petits êtres. Mais Marge, j'arrive pas à me contrôler. T'es sexy comme maman. Le bon mot, c'est elfe. Et pas de câlinou avant d'avoir terminé notre mission. T'es tellement sexy. Alors, bon, je vous cache pas que j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire ce niveau. Donc, on démarre directement par un boss, comme vous l'aurez compris, avec ce fameux dragon. Je pense avoir trouvé la méthode pour y arriver facilement. Donc, je blanche, je sauvegarde. On va essayer, on va y arriver cette fois-ci. J'ai remarqué que c'était pas bien compliqué, donc on arrive directement dans un... On est dans l'Hobbit, là, on va pas se mentir, on est dans la Comté, dans le fameux Seigneur des Anneaux. Attaqué par un dragon, c'est ça que j'ai trouvé ça bizarre, le dragon du film Les Hobbits. Le Hobbit qui, je rappelle, et le film et les films pardon, sont sortis après ce jeu-là, bon, après ils ont peut-être pris référence sur le bouquin. C'est pas impossible, et c'est quand même c'est beau, hein, là. Je cache pas que là les clins d'œil sont vraiment nombreux. Attendez, donc je vais juste essayer de rameuter un max de monts là. Vous voyez que je suis en train de. On va déjà réparer les maisons. Je suis en train de créer ma propre armée. On va rapatrier un max de hobbits. Et on va réparer les maisons. Voilà. Vous voyez que dès que les 3 maisons à droite sont détruites, bah c'est game over. Et vous recommencez dès le début. Donc regardez déjà Homer, le look d'Homer, ses habits, ça me fait penser directement à Zelda, à Link. Voilà, donc c'est bon. Ça me fait penser vraiment au jeu Zelda, c'est son look, hein, ses habits verts. Donc là, il y aura quand même pas mal de références au... Enfin, il y a pas mal de références, parce que bon, je suis jamais allé au-delà du boss. Comme vous le savez, je fais ce jeu-là pour la première fois. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pu répéter, mais... En général, mes let's play, c'est du direct play, hein. J'aime pas trop refaire un jeu que j'ai déjà fait, je trouve que ça gâche un peu la surprise, la spontanéité, etc. Allez, on va vite réparer. Putain, vous voyez qu'elle est déjà en rouge, faut que je me dépêche. Là, ça va être chaud d'arriver à temps. Allez, vite, 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 vite. Ah, ça va, on est déjà repassé en jaune pour l'autre maison, donc ça devrait le faire. Après, je vais nouveau commander l'armée pour qu'elle attaque le dragon. J'avais déjà essayé de la frapper moi-même, mais ça fait aucun dégât. Ça aurait été trop facile. Bon, je pense que 4 coups, on a un peu plus de la moitié. Encore 2 petites fois et ça devrait le faire, ça devrait être bon. Je devrais enfin le battre. Bon, je crois que c'est que la 3e fois que je réessaye, hein. Donc il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Oh, allez, je vais le faire sans réparer les maisons. Je pense que les 3 tiendront le choc. Et bim, voilà. Avec les sœurs de Marge, hein, qui sont déguisées en dragon. Mais ça, quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est vraiment le village Hobbit, quoi, avec les fameuses maisons. Bon, en général, elles sont incrustées. Je sais même plus maintenant dans la roche. Bon, en tout cas, ça, c'est la comté. Il y a pas de souci. Hein. Les forêts autour, là, les champs. C'est magnifique, c'est superbe, encore une fois graphiquement c'est... Bon, c'est pas exceptionnel puisque c'est un style graphique qui... On va dire entre guillemets facile pour cette génération de consoles. Sur PS4 par exemple c'est pareil, donc je repense au jeu... Merde, comment est-ce qu'il s'appelait encore Mémoire d'un soldat que j'ai testé sur PS4. Cette espèce de... Je sais pas, comme du cel-shading... Elle est morte ou pas? Ouais, c'en est fini, cool. Alors, juste voir, c'est une cinématique, ouais. Merci de nous avoir sauvés, grand bonhomme. Que pouvons-nous faire pour Putain, vous remercier? Moche.
Vous pourriez nous dire où trouver la carte clé. Vous pourriez nous laisser 5 minutes d'intimité. Ou 2, ça suffira. L'objet que vous cherchez est derrière cette porte. Mais la magie garde les lieux. Eh ben, les plus. En fait, on n'était pas sûr. Comme par hasard. Donc je disais que c'est des graphismes sans prise de risque de nos jours, puisque donc mémoire d'un soldat. Je crois qu'il s'appelait comme ça, je me souviens même plus. Hein. J'ai testé sur PS4, donc mon deuxième test sur PS4 sur la chaîne. Donc c'était un jeu qui reprenait le moteur de Rayman. C'est un peu le... Maintenant c'est facile tout ça, vu qu'il n'y a plus vraiment de pixels, enfin il y a toujours des pixels, mais... On atteint un tel degré de perfection que ce soit PS3 ou PS4, on voit plus vraiment de différence dans ce style de graphisme. Par contre, je suis sûr que ce jeu-là serait sorti sur PS4, excepté les cinématiques qu'on vient de voir juste avant, mais in-game, ce serait quasiment la même chose. La résolution serait bien grande, beaucoup plus grande, évidemment, mais les détails seraient les mêmes. Il y aurait pas, ce serait, je pense pas que ce serait mieux en tout cas. Parce qu'on verra bien si un jeu les Simpsons qui vont sortir ou pas. Sortir ou pas. Alors, je sais pas trop ce qu'il faut faire ici, hein, donc on va péter tout ce qu'il y a. On aurait dit qu'il y avait un tableau de David et Goliath derrière. Là. Bah, ça faisait référence à me faire penser à un cours que j'ai vu au collège il y a fort longtemps. Or, Homer est mort, cet abruti. Je pense qu'il faut sauver tout le monde là. On va essayer de rameuter un max de gamins. Avec les mots là qui nous courent pas, qui nous courent après. C'est vrai qu'il est pas très présent dans le jeu, notre ami. Alors, je pense qu'il faut que je pète ça. Voilà. Ah bah, cool, j'ai même récupéré une capsule. À la limite, c'est plus simple avec Homer, j'aurais dû le prendre directement. Faire le ménage. De la viande de porc. Ouais, donc je disais que j'allais essayer de les enchaîner, les épisodes. Ce serait bien que d'ici 2 semaines, grand max, ce soit terminé. Quitte à en poster plusieurs par semaine, hein. Y a pas de problème. Donc, je vais essayer de tourner le suivant à la suite, là. Donc, ça peut être joué. Ça dépend de la durée du niveau. Si ma voix est pas trop fatiguée, je pense que j'enchaînerai. Bon, sinon, ça attendra demain, il n'y a pas de problème. Puisque là, on est samedi soir. Donc demain sera dimanche, j'aurai le temps d'en tourner au moins un autre, voire 2. On verra ça. On verra ça. Allez, on va récupérer ça. On voit que ça sert à rien. J'ai pas vraiment fait la course aux objets depuis le début du let's play. Je vois une espèce de grande porte. Il faudrait l'ouvrir, cette porte. Donc, je crois que je suis allé partout sauf à droite, là où en haut du pont. Donc là-bas, je crois qu'il n'y avait rien, non. Donc, il y a juste là-bas que je suis pas encore allé. Corps à corps est pas terrible aussi dans ce jeu-là. Il y a des défauts quand même, hein. C'est vrai que je suis très gentil. Je le testerai. Comme ça, je testerai à froid, comme ça. Je serais peut-être plus, plus objectif avec le jeu. C'est vrai que j'ai quand même sacrément complémenté depuis le début. Tiens, il y a une manette là. D'accord, il y a l'espèce de grande statue, vous voyez, sur les côtés. Là, ça me fait penser aussi au Seigneur des Anneaux. Nouvelle ennemie. Oula, elle explose carrément. On va péter ce truc là tout de suite, comme ça on sera tranquille et reviendra pas. Vas-y, pétez-le. Voilà. Ensuite, ok, donc faut que je me mette là-dessus, je pense, ouais. Ah, cool. Ah, oh, putain, vraiment à l'ancienne. On est en 4 tiers. Ah non, on n'est pas en 4 tiers, j'y ai cru là sur le coup, le côté était tout noir. Ah, c'est sympa, hein. Ouais, donc c'est les jeux de l'époque, hein, comme les premiers Zelda. Donc là, les références continuent, j'adore. Ah non, mais on peut pas critiquer le jeu là, il a trop de qualité. Putain, dire que j'ai failli passer à côté, j'ai acheté ça totalement par hasard. Enfin, par hasard, ça fait un moment que je pense à acheter ce jeu là, mais j'en ai jamais fait une priorité. Ça m'aurait fait chier de pas le découvrir. Hein.
crois qu'il n'y en a pas d'autres hein, sur PS3. Faudrait que je vérifie tout ça. Bon, il y a Ten Run sur PS2, mais bon, c'est plus un jeu de voiture qu'autre chose. Je crois que je l'ai jamais fini d'ailleurs. Voilà, on fait le ménage. C'est vrai qu'Omar et Homer, il est quand même sacrément efficace. Il est facile à manier avec cette boule là. Ça c'est fait, on va passer par là, donc là on va contourner. Est-ce qu'on peut péter la statue derrière, tiens? Non, bon, on va descendre dans le trou, hein. Je pense que c'est là qu'il faut aller. C'est vraiment excellent avec l'armée là qui nous court après derrière. J'adore. Merci aux plus fidèles hein, qui sont là depuis le début du let's play parce qu'il y en a. De temps en temps, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qu'au début, mais c'est normal, hein, j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, hein, chacun, hein, je pense que tout le monde sait maintenant s'il va aimer le jeu ou pas. Ceux qui ont lâché se sont peut-être lassés, ou peut-être j'ai mis trop de temps, c'est vrai que je mets let's play très en longueur, c'est un truc de fou. Ne parlez pas de Dino Crisis ou de Donkey Kong Country, putain. Alors celui-là. On parle beaucoup de Skate 2, c'est vrai que j'y arrive pas. Je joue de temps en temps, faut pas croire que j'ai laissé tomber, mais je fais aucun objectif en plus, c'est un truc de fou. Donc je vais peut-être le tester, je vais tester le jeu prochainement, comme ça, histoire de vous dire que je l'ai pas oublié. Un nouveau Tony Hawk va sortir en septembre. On m'a demandé si j'allais l'acheter, ben oui, je le prendrai à sa sortie. Est-ce que je vais en faire un let's play? Il y a de grandes chances, mais vous savez bien qu'avec ma connexion de merde, si je l'achète le jour de sa sortie et que je tourne la première vidéo le premier jour, vous aurez que le premier épisode du Let's Play 3 jours après, donc c'est pas... C'est vrai qu'entre temps, vous avez plus vite fait d'aller voir un autre YouTuber, donc je sais pas trop si je vais en faire un Let's Play. Peut-être pas tout de suite, j'en ferai peut-être un, mais pas tout de suite, je sais pas, je verrai, mais... C'est vrai que j'ai envie de le faire. On verra, il y a des chances que je le fasse. Je verrai, il faut aussi voir si le jeu est bon, hein. ça fait un moment que j'ai pu jouer à un Tony Hawk. Tony Hawk ou Tony Hanks? Là monsieur commence à se prononcer. J'ai toujours dit Tony Hawk. Après ça se prononce peut-être pas comme ça. Alors, là, y a rien à... Ouh le jambonneau là. Allez bouffe-moi ça mon cochon. Voilà. J'adore ce gameplay là en bouboule. Bon allez, on va continuer. Ouh, le dragon. Ah bah c'est encore une référence au film Le Hobbit, hein. Le dragon là qui est caché dans l'or. Parce que dans le film il aimait l'or. Pourquoi? Mais je n'en sais rien. Parce que c'est comme ça, bah, faut croire qu'ils ont fait référence au livre. Peut-être qu'ils avaient peur des représailles s'ils pompaient trop sur les films Le Seigneur des Anneaux. C'est pas possible ça aussi. En tout cas, le dragon n'a pas l'air en vie. Putain, il a une dent jaune, le petit. Il fait des rails. Faire le ménage, hein, de tuer tous les ennemis d'abord. Oh, donc Tony Hawk, je pense que je vais me le prendre en précommande assez rapidement, courant du mois d'août. Je commande tout sur Amazon, moi, d'ailleurs. Arrêtez d'acheter dans le commerce les jeux à 70€ sur Amazon. En général, vous les avez dans les 50. Vous gagnez au moins 10€ minimum, donc... Arrêtez de les acheter dans le commerce, au Champ, Cora, ce genre de choses. Voir Micromania, franchement pour moi tout ça c'est de l'arnaque, passer par Amazon. Je sais que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de carte de crédit, donc c'est pas évident, mais même au boulot, là, les mecs de mon travail, ils vont acheter leur jeu chez Auchan. Je sais pas, je leur demande pourquoi, ils m'ont dit bah comme ça je l'ai directement. C'est bon, sur Amazon vous attendez 2 jours. 10 jours pour gagner 10 à.
enfin 10 jours, 2 jours. Pardon, j'ai du mal à avaler ma salive. 2 jours pour gagner 10 à 20 euros, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, donc moi je passe toujours par Amazon pour les jeux récents. Hein. Après, j'achète beaucoup d'occasions, par exemple sur PS3. Ce que j'achète encore de temps en temps, c'est toujours de l'occasion. Le dernier jeu neuf que j'ai acheté sur PS3, ça devait être The Walking Dead saison 2. Rappelez que j'avais testé le premier sur ma chaîne, c'était mon troisième test de la chaîne. Les tests tout mous, hein, quand je me réécoute, je me dis putain, c'était abusé. Alors, donc là, je sais pas ce qu'il... Ah ok, on les sacrifie carrément, tranquille. On est des assassins, c'est cool. On va faire de même là-bas. On va rameuter comme tout le monde. C'est vrai que le premier coup, je croyais qu'ils étaient juste aspirés vers le haut, mais là, j'ai vu, ils sont carrément tombés dans la lave. Les pauvres. Alors, évidemment, c'était pour Marge. Alors... Putain d'abruti. Ouais, évidemment, là, j'arrive pas à monter à cause de la caméra. Ouais, on va repasser vers là. Hop. Maggie me fait rire derrière avec son bonnet là. Le bonnet d'elfe. Ah bah il y a carrément rien à faire je crois ici. On va essayer de l'autre côté. On va plutôt prendre Homer. Hein. Si là c'était pour Marge, je pense que ce sera pour Homer de l'autre côté. Il est vraiment bien stable, j'adore. Je kiffe ma mère. Je kiffe sa mère plutôt. Je kiffe ma mère, bah comme tout le monde. Hein. Il faut aller sur la carrosserie. Oh putain, il faut Maggie. Ça, je me suis nouveau fait avoir. Allez, on va y aller directement. On va se dépêcher. Ah, très intéressant ce niveau-là. Un peu comme le dernier. Très original. Voilà. Allez, Maggie. Je crois que c'est seulement la deuxième fois qu'on utilise Maggie, non? Il y a un bouton rouge là-bas. Je vais voir ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ah ouais, il y a un moins 25%. Hop. Putain. Ah, 8 sur 12, pas mal. C'est la première fois que j'en trouve autant, je crois, dans un niveau. Allez, 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 allez. Plus vite, la petite. Allez, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, bim. Un ascenseur dans la tête du dragon. Il me semblait pas qu'elle était aussi grande sa thèse. Hein. On monte pendant une heure. Ok, il y a encore un bouton. Juste est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Ok, bon, bon, on va tout de suite ouvrir ça. D'accord, la gueule du dragon s'ouvre. Je pense qu'il y aura une porte. On dirait qu'il y a. Oh, et puis je m'en fous. Alors. Ah oh, putain, une. Carrément, ça me fait penser à Mario, tiens. Voilà, là on est bien en 4 tiers. Enfin, 4 tiers, c'est quand même en 16/9, vu qu'il y a les icônes sur le côté. Mais on est en. Le jeu en lui-même est en 4 tiers sur le côté noir. C'est vraiment à l'ancienne, putain, ça me fait. C'est vraiment excellent, putain. Vous avez vraiment d'excellentes idées pour faire ce jeu-là. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois juste lui rentrer dedans? Groupe 2, ok. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai quand même réussi à la toucher. Je capte pas trop ce qu'il faut faire là. Attention. Putain, c'est dur à manier quand même hein, quand on est en boucle comme ça. C'est vrai que j'ai eu des nouveaux pouvoirs avec Homer là, quand il se transforme en gelatine verte. Pour lancer des projectiles, faudrait que j'utilise quand même de temps en temps. Attention aux œufs, qu'est-ce qu'il faut que je. Ah, ok, il faut que je les récupère, je pense. Oh putain, c'est galère. Concentration, concentration. Oh là là. Ah, j'ai pas compris l'intérêt de faire ça, hein, de récupérer les œufs là.
Oula, la plateforme se... En fait, il n'y a plus rien là. Ouais, là, là. Oh putain! Ah, pas de game over, s'il vous plaît. Allez! Putain, mais je suis jeté automatiquement dans la lave là. Ah bah elle est morte, tiens. C'est peut-être la fin du niveau là, je pense. J'ai fini par tuer tes sœurs. Je suis le mec magique le plus heureux de ce niveau. Bah au moins on a arrêté de fumer. Même si je n'approuverai jamais de massacrer des membres de sa famille, j'étais pas loin de le faire avant de passer ce niveau sans les enfants. Mort précieux. Alors, donc 19 minutes, bon, je pense que ça fait un peu plus en vidéo toujours. Donc voilà, on va s'arrêter là, hein. Vous avez l'habitude maintenant, un niveau, une vidéo, sauf si le niveau est vraiment très court. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao tout le monde.